Et voilà, on est dans 2 jours. Alors. Si j'utilise ça directement. Ah ouais, elle peut plus bouger parce que c'est devenu trop lourd. Ok. Est-ce qu'il faut que j'ouvre la porte avant, peut-être? Je sais pas ce que je dois faire, hein, j'ai plus de pif. C'est quoi, c'est un code qu'il faut faire? Sûrement pas. Il faut une clé. Peut-être avec la barre en fer. On va aller rechercher cette barre en fer. Tu vas pouvoir aller taper des trucs, Kékette. Ça va te faire plaisir. C'est bizarre pour une clé quand même. Je vais pas faire. Pas faire le rabat-joie, mais. Mais non! Ah, mais j'ai pas la barre en fer. Il n'y a pas d'autres objets ici, alors... Ah, réfléchissons. Non, moi je suis sûr qu'il faut comme une clé. Là-bas dans le coin, je crois pas, non. Ça m'énerve la musique. Peut-être que là, ça a déverrouillé le truc. Tu peux pas dire une petite phrase, un petit commentaire? Ça ne marche pas. Du genre, oh, il me faudrait une clé. Ou... Rien à faire. Impossible.
Là, il y a des commandes bizarres. Non, pas taper. Bah, je sais pas, moi, y a pas d'autre truc dans la pièce là, dans le hangar. Ah, si, y avait une petite boîte. Une petite barquette là, peut-être des trucs dedans. Rentre dans la cage. Là, petite barquette là. Bah. Capitaine, comment on démarre la voiture? Allez, putain. Ça ne va pas. Mais si, ça va. Dans le coin. Là. Oh non, j'ai pas de corps. Ça va, elle met pas trop de temps à tourner la tête. Putain, comment faut faire? Ah, mais la musique en boucle là, ça me gonfle un petit peu. Faut pas devoir les trouver sur internet là, si. C'est coincé. Je crois que je vais devoir aller voir sur internet. Hein. Bon sang. Oh putain, je viens de voir, je viens de regarder. Ok, je savais qu'il servirait ce couteau. Ah non, mais... En plus, j'avais remarqué, en fait, il y a le bouton en haut à gauche qui déconne. Enfin, qui est différent des deux autres. Il faut soulever pour faire je sais pas quoi, j'ai pas vu la suite. Non mais... Et donc, je suppose que ça... Putain, c'était mon moment! C'était le couteau! Je veux ma souris, s'il vous plaît! Merci! Waouh! 400p!
Un 480. Non mais attends, s'il y a un rideau... Pourquoi il y a besoin d'un code? J'ai pas ouvert les portes. Merci Google. Ok, donc maintenant... Faut que je prenne la grue. Et avec la pince là. Alors... Par contre, c'est vachement sécurisé le fait d'avoir le même code partout. Non, non, moi je monte pas, hein, c'est trop haut. Putain, là, c'est couille qui est trop au cœur. Ouais, bah putain. Ok, on a plusieurs vues. Alors. Non! Le bruit que ça fait. Ok. Oh non, pas les manettes maudites que je sais pas dans quel ordre elles tournent. Easy pass. Easy pass. Alors, je pense qu'il faut que j'arrive à tourner ça pour ramener la pince vers là. Ouais, j'avais une chance sur le... Mais va vers la gauche. Putain, c'est... Oh, c'est infâme. Je n'y arrive pas. C'est... Ok. Ça devrait être bon, logiquement. Maintenant, il faut que je la baisse. Pas ça. Non, ça a rien fait. On va remettre. Un des deux boutons, je suppose. Allez, hop. Oui. Oui. Non! Remonte! Saloperie! C'est là? Pas question de gaspiller le charbon en le vidant ici. Ah, c'est pas là. C'est pas là. Ok. Encore un peu, non? Paf! Pas question de gaspiller le charbon en le vidant ici. Ah non, mais il faut avancer le machin. Ça, ça sert toujours à rien. Bah, c'est nul. C'est quoi la différence entre les deux trucs, du coup? Je comprends pas. Ok, ça, ça tourne la base et ça, ça tourne la tête. Et donc, qu'est-ce que je suis censé faire de ça? Youhou! Ah, mais oui, parce que je peux avancer là. Ok, je peux décaler ça du coup. Voilà. C'est pas bon là. Monte! Monte pas en fait, c'était bien top. On peut bouger ça? Non. Pas question de gaspiller le charbon en le vidant ici. Mais c'est juste à côté.
Ah non. On peut décaler maintenant par là. Faut tourner ça. Je me fais aller par là. Je le retourne. Eh, c'est celle-ci de la merde. Pourquoi là ça marche pas? Je dois réutiliser la manette du diable. Et paf! Ça fait des chocs à pic! Ah oui, c'était réaliste. Ah, bah il aurait pu m'aider, ce con, là. Apparemment, vous vous en êtes bien sorti avec le charbon, Kate. Voilà, j'ai tout préparé pour remplir le réservoir d'eau. Y a plus qu'à relier le château d'eau au cristal. Et puis monter là-haut pour activer le mécanisme manuellement et vider. Vas-y, fais-le. Allez-y, capitaine. Je vous attends ici. Pas question. Moi, je suis trop vieux pour grimper là-haut. Ah, merde. Très bien, j'ai compris. Je m'en charge. Alors, ce qu'on va faire, toi, tu relis je sais pas quoi, et moi, je monte. On est loin d'en avoir fini avec les préparatifs. Putain! J'ai pas écouté, il faut relier. Et après tourner, bah ouais, mais du coup j'allais tourner, ça sert à rien, non? C'est-à-dire quoi, relier? Relier quoi à quoi? Le capitaine a dit de d'abord brancher l'arrivée d'eau sur le pont du cristal. Ok. Il a pas dit que c'était sur le pont. T'es une menteuse. Eh ben avance. Chut. Mais va là ! Clic ! Eh, c'est vrai que j'ai déjà raison. C'est dur de montrer à quel point un truc est galère à utiliser. Mais putain, c'est vraiment galère. Ok, ça a sauvegardé. Je comprends pas pourquoi le curseur devient invisible. Ah, c'est quand même sacrément mou comme jeu, hein, putain. Là, je peux pas cliquer sur le truc, là. C'est... Je sais pas qui... Ça marchait bien dans le 2, pour le coup. Les énigmes étaient tordues, mais ça marchait bien au niveau direction de ça, interaction. Mais alors là, c'est infâme. Putain, je me souviens de l'énigme dans le 2, dans la glace, là. Il y avait un chemin à faire à un rat, je sais pas quoi. C'était débile. Ok, ça c'est bon. Là, par exemple, je clique ici. Là. Oh, putain. Putain, à dire que dans ma vie, j'ai fini deux jeux, c'est... Mais la fin de débarquement allié. Et Siberia 2, et le prochain, ça va être Siberia 3. Quoi. Dégoûté. C'est un amer constat. On faisait un constat âpre, finalement. Moi, j'avais pas envie.
Tiens, prends ça, c'est le jeu. Je me suis occupé de l'eau, capitaine. Oh, il a paumé un truc. Est-ce que tout va bien de votre côté? Oh, la clé de contact du cristal. Je la trouve plus. Sans elle, on peut pas démarrer. Mais vous êtes un pébron. Voyons, réfléchissez. Cette clé doit bien être quelque part. Mais je crois que je l'ai mangée une fois. Je me souviens. Il y a 20 ans. Quand je suis revenu de Baranour sans les automates. Les gens ont été très durs avec moi, vous savez. Capitaine, je ne vois pas bien où vous... Alors j'ai passé toute la nuit à la taverne. C'est vous dire si j'étais pas beau à voir quand j'ai regagné le pont du cristal et... Et ? Et j'ai jeté la clé de contact du cristal à l'eau. En me promettant que plus jamais il ne naviguerait sur les eaux maudites du lac. Vraiment un gros connard. Il doit bien exister un double de cette clé. J'en sais rien. Quand Steiner a fini de construire le cristal, il ne m'en a donné qu'une en tout cas. Parce qu'il savait que vous étiez un gros gland. J'ai vu une maquette du cristal chez Simon Steiner. C'est lui qui a conçu le navire? Ouais, bien sûr. Peut-être qu'il pourra m'aider alors. Peut-être. Allez savoir. Alors cette clé de contact est définitivement perdue? C'est pas le bon ordre, je crois. Ouais. Je le crains. Je suis désolé, Kate. Mais nous voilà coincés. Encore une fois, tout est fichu. Cause de moi. Eh ouais. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, capitaine. Je vais trouver une solution pour cette clé. Et sinon, j'ai un couteau, vous savez. Si vous le dites. Allez, on doit retourner voir machin. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'on fait des allers-retours, mais pas pour une histoire intéressante, juste pour des conneries. Genre, il me faut un médicament, il me faut une clé, j'ai la fesse droite qui me gratte. Alors que s'il y avait des vrais choix à faire et tout, ça serait vachement... Enfin, non, pas dans ce jeu-là, mais s'il y avait des vrais choix à faire, ça serait plus intéressant quand même. Je sais pas, il pourrait y avoir des espèces de trucs géopolitiques dans l'espace, en Star Wars, mais non. Je trouvais une clé d'un bateau parce qu'il y a un vieux bourré qui l'a acheté. Ah, c'est pas toujours carré-carré la vie, hein. Tiens. J'ai compris comment la faire courir facilement, ça je suis content. Mais non, pas toi, bah, je m'en fous. Et je suis sûr que lui, il lui est arrivé une couille entre deux. En fait, Siberia, c'est un jeu de 4 secondaires. Kate, comment se passent les préparatifs avec le capitaine? Ils avancent, mais nous avons besoin de l'aide de votre grand-père. Est-ce non, il est parti à la clinique. Il vient de partir à la voilà. Clinique avec la jambe artificielle de Kirk, le guide Yukol. Je tiens la boutique en attendant son retour. Peut-être que je peux vous aider? Oui. Peut-être. Il se trouve que le capitaine a égaré la clé de contact du cristal, et sans elle, nous ne pouvons pas partir. Il l'a pas égaré, il l'a jeté dans l'océan, pas dans le lac. A conçu le cristal, je me suis dit qu'il en aurait peut-être le double. J'avoue que je ne vois pas où vous pourriez trouver ça. À part la maquette en bas, je ne crois pas qu'il ait gardé beaucoup de souvenirs de l'époque... Eh ben, regarde dans la maquette! Vous permettez que je jette un œil? Bien sûr. Tenez, prenez ça. Vous pourrez regarder la maquette de plus près. Pour casser la vitre, ce serait marrant. La maquette du cristal est en bas. J'explose la maquette avec la clé qu'il m'a donnée. La manivelle, là. Descends, grognasse! Ils aiment bien faire tourner des trucs dans le jeu, les mecs, hein, alors que c'est... Enfin, ça va. Ah, ça fait tourner la petite truc. Non.
Oh. Alors, le maire Piotr Buryakin. Ouais, on s'en fout un peu. Encore un truc à tourner. 10, 30, 50, 70, 90. Savoir un code quelque part. Magnifique. Couteau. Magnifique. Trente ans à venir. Peut-être avec les chiffres de ça. 80 ouvriers automates. 98 jours. 2 ans. Des chiffres partout! À distinguer certains des atouts à notre disposition. Bah, 98 plus 2, je crois que ça fait 100. Plus 60, ça fait 160. Plus 30, ça fait 190. C'est ça le code? Alors, si c'est ça, c'est vraiment un jeu débile. On a dit 190. Et 390. Faut faire un 1, un. Faut additionner. Faut faire un genre de. Le compte est bon. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas compris. C'est toujours magnifique. Magnifique. Ouais. On va refonder un peu au hasard. Alors, bah, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Le curseur, s'il vous plaît. Là, je suis chaud, là. Faut pas que je m'arrête. On va aller à 50. Ah non! Voilà, 90, c'est bien. Peut-être 70, si on l'a pas fait. Et 40, c'est bien. Hop. Non, ça fait rien. Parce que normalement... 960... Si je veux faire 190, il me faut 90. Plus 70, plus 30. Et ben c'est bon maintenant. On peut pas tirer sur ça juste? Si tu leur fais 90. Mais j'ai même pas fini! Hein? Non, redescends! Non, s'il te plaît, redescends!
Merci. C'est le petit cœur. 90, ça fait descendre, on va remettre 90. Ah non, il m'a trahi! Continue mon curseur. Mon curseur! Bon, faut mettre dans l'ordre du truc, c'était quoi? 2 ans. Donc si on met, je sais pas, 20 plus 98 jours. Après, c'était 30. Je pourrais faire plus. Cinquante. Ah bon, ça sera 70. Non. Allez! Allez, on fait des trucs. Allez! Pourquoi elle tire pas dessus? Il s'est passé un truc là? Allez. Je mets des gars, je mets un grand chiffre. Je mets 100. On va pas le faire avec les flèches. Non, dommage. Faire tous les chiffres, hein, à peu près. 40, on n'a pas fait, je crois. À peu près. C'est tellement merdique à tourner, ce truc-là. Tourne! Je voulais mettre 60. C'est de la merde! C'est nul comme jeu. On dirait LOL.
Mais elle remonte plus, ni elle descend plus, il n'y a rien du tout là. Je sais pas. Je sais pas si on avait fait 80. Oh, on peut peut-être tirer dessus maintenant. Non. Il y a au hasard. Au hasard parmi... Non! Non! Arrête de remonter! Putain! Ok, 30, ça fait baisser. J'avais fait quoi après? J'avais fait 80? 90, ça fait descendre. 80? Ok. Je crois que j'avais fait 60. Trente, 80, 60. Trente, 80, 60. Ça peut être quoi la suite? Il y avait quoi dans le texte? Les 30 ans à venir. Il y avait quoi? 60 mètres et 80 automates. Il restait le début. 2 ans. Et 98, je sais plus quoi, non? C'était pas ça? Bah, si on additionne, ça fait 100. On peut appuyer. Oh, alors, c'est débile. Une clé de contact. Non. Mais elle paraît beaucoup trop petite pour le cristal. Pourquoi? Non, non, 50%, c'est-à-dire qu'il y a la moitié de la clé. Clé de contact miniature. Non, pourquoi c'est pas une clé de contact pas miniature? On va demander à Sarah. Qu'est-ce que c'est, cette merde? Coucou! Pourquoi il y a une machine censée faire quoi? Mon curseur, s'il vous plaît. Tant qu'on perd. On met un truc au milieu. Ah, il est différent. Oui. C'est trop chiant le curseur qui se barre. Là, ça me commence à me gonfler, sérieux. On peut rien faire. Peut-être qu'il faut mettre la clé au milieu. Impossible.
Ça va agrandir la clé. Non, remets-la, c'était bien. Les médecins le détestent, il agrandit votre clé. Attends, c'est vraiment ça? Attends, c'est quoi ce bordel? Ça va me la ressortir en plus grand? Il va en faire une copie? Ok. C'était à 50%. Je suppose qu'il faut 100%. Mon curseur de souris, s'il te plaît, le jeu, rends-le-moi! J'y tiens énormément. Ça fait un truc. Il n'y a pas de bouton ni rien, on est d'accord. Après, peut-être que ça augmente de 50%. C'est-à-dire qu'il faut que j'augmente de 100%. Non, 200%. Non, pas ça. Pas ça. Non, pas là. Je voulais cliquer. Faut que je double sa taille, donc faut que j'augmente de 200%. Pour 100 tourne espèce de... Ça fait un truc. Non. Dû faire ce qu'il fallait ici. Putain. Peut-être pas que je ferme, je sais pas. Ça c'était comme ça au début, je vais le remettre comme ça. Un truc que j'ai pas dû faire correctement. Alors ça, ça prend la taille. C'est pas pour le tenir, c'est pour la mesurer. Si je le remets, du coup. Si on est d'accord, je peux pas la mettre. Non, on remet là. Non, c'était bien. Retour. Si je mets la clé ici. Je suppose que là, on met le modèle, en fait. Là, on le mesure. Oh.
clés usées. Clé vierge. Ah, donc on met le modèle à gauche. Et on met le truc à droite, peut-être. Ah. Ah. Ok. On va essayer ça. On va fermer le truc là. On va mettre à 200%, je pense, logiquement. Oh, il y a un bouton qui est apparu. Donc ouais, faut... En fait, ça c'est le pourcentage d'augmentation. Donc. Faut que je mette à 200. Je suppose que ça c'est pour allumer. Le temps de la réflexion. Qu'est-ce qui se passe? C'est la bonne? Et voilà! Alors, c'est quand même une sacrée coïncidence que le mec, il est un... Steiner a eu le temps de finir la prothèse. Parfait. Tu me coupes pas. Que le mec, il a un agrandisseur de... d'objets, et pile poil, il a une petite clé miniature. Alors qu'il avait juste à mettre la clé de la bonne taille dans sa maquette. Hein, ça aurait rien changé. Hein. Enfin bon. Ne vous inquiétez pas. Dès que grand-père sera revenu avec Kirk, je leur dirai de vous rejoindre directement au cristal. Ouais, bah, je me doute qu'ils seront bloqués là-bas et que je vais devoir aller sauver leur biche. Bon, j'allais voir le capitaine Bidule. Donner sa clé. Capitaine Barbossa. Vous la protégez. Bien parce qu'elle court, mais quand même. Pas dans les escaliers, il ne faut pas exagérer, il y a un risque de blessure. Oh, monsieur, vous passez là trop souvent, j'ai l'impression. Et lui, il a le sommeil très lourd. Hop. Une machine pour augmenter la taille des objets, c'est vraiment débile. Putain. Et bah, elle est morte. J'aime longer les murs. Il s'est barré où ? Et voilà, putain, on enchaîne les succès, hein. Magnifique, Kate. Faut bien avouer que vous êtes sacrément débrouillarde. Plus que toi. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Il reste un dernier problème à régler. Les écluses qui permettent d'accéder au lac. Elles sont fermées par ordre de la mairie. Faudrait que vous trouviez le moyen de les ouvrir. Comment faire, à votre avis? Le mieux, ce serait que vous demandiez au maire Bouliakine l'autorisation de les rouvrir. Mais je vous préviens, ce type est franc comme un âne qui recule, alors méfiez-vous de lui. C'est une vraie expression, ça, être franc comme un âne qui recule. Ou alors, vous avez qu'à vous procurer des explosifs, et puis boum. Avant, j'essaierai de parler au maire. Merci, capitaine. Ok, Google. Être franc comme un âne qui recule. Hypocrite, mentir. Attends, redis. Être franc comme un âne qui recule. Selon Français avec Pierre, être franc comme un âne qui recule. Tirer plus grand que être hypocrite, mentir. Tirer plus grand.
Ok, flèche. Ok, eh bien, merci Google, tu es mon meilleur ami. Bon, bah allez, moi j'en ai ma claque. Et on reculera comme un âne qui avance en mentant une autre fois.